Deux Sivan, c'est-à-dire Bezrat Hashem, qu'on est déjà devant le Har Sinai et que chaque jour on s'approche. On dit plus Tachanunim déjà parce qu'on est un événement, on vit un événement très spécial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en train de vivre la Matan Torah, on est devant le Har Sinai. Vayom Mahou, Bahou Midbar Sinai, Vayom Mazé, on a dit. On est devant le Har Sinai et sentir tous les jours, maintenant on est devant le Har Sinai, on est en train de se préparer à réfléchir, qu'est-ce que je ferais, me regarde toi devant toi, tu as devant toi le Har Sinai. Il y a marqué la Mishnah dans Rosh Hashanah, Berba Prakim, Aolam Nidon, Akadosh Baruch Hu juge le monde, Be'at Seret, le jour à fête de Shavuot, Hashem juge le monde sur Perot Aïlan, sur la production des fruits des arbres. Et les Sfarim expliquent qui c'est l'arbre, Adam et Tzassadé, c'est chaque homme. Akadosh Baruch Hu à Shavuot, il nous juge sur les fruits, c'est-à-dire sur les mitzvot, sur l'imouda Torah de l'année. À Rosh Hashanah, il nous juge sur la Yirat Shamaim, sur le Dikduka mitzvot, sur le Tiyat Yadayim, sur Shmirat Shabbat, sur Mukhtse, sur Shmirat Enayim. À Shavuot, il nous juge sur le limoud. Il nous juge sur le passé, en fonction de ça, il nous fixe l'avenir. L'année qui vient, si je suis accepté dans tel yeshiva ou tel yeshiva, si j'ai une chavruta, si je n'ai pas une chavruta, si je suis dans un bon shiur ou dans un mauvais shiur, si je suis tout le limoud de l'année qui vient est fixé à Rosh Hashanah, à Shavuot, que c'est le Rosh Hashanah, le Yom Adin de Perot Aïlan. Tout se fixe à Shavuot. Selon quels critères? Achev Pira Va'amalehu. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, je te la remplirai. Celui qui veut un tout petit peu de Torah, Hashem lui donnera un tout petit peu de Torah. Si quelqu'un veut beaucoup, tout de se mesure dans l'ambition de ce qu'on a de recevoir comme Matan Torah à Shavuot. Il y en a qui ont reçu un Matan Torah, ils veulent seulement un peu des gématriotes et des jolis perushim. C'est ça que tu reçois. Il y en a qui veulent comprendre un torah, il y en a qui veulent comprendre une souga. Kolechad, le fils d'Agato, pour mériter, recevoir, ça c'est, il faut savoir, Shavuot, c'est un Yom Adin. On étudie toute la nuit pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on veut, on la veut cette Torah. On l'étudie toute la nuit, c'est pas pour dormir après toute la journée, ni la journée d'avant, ni la journée d'après. On peut dormir, bien sûr, on n'est pas des géants. Alors on dort 2 heures avant, on dort 2 heures après, mais le reste de Shavuot, c'est pour étudier. Ce n'est pas une journée à gaspiller. C'est un Yom Kadosh, un Yom de Matan Torah. Et les gens, ils croient que la nuit de Shavuot, on étudie, après on va dormir jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Ce n'est pas comme ça, oui, il faut comprendre. Le jour de Shavuot, c'est un jour Kadosh, le Matan Torah. Toute la journée, Hashem nous donne la Torah. Prenez-la. Aujourd'hui, le programme du jour, c'est le 6e Pérek de Pirkei Avot. Je vais dire rapidement. Et Mishnah me dit dans Pirkei Avot, la deuxième Mishnah, la Mirta, Mirta Elokim ou Charut al Aluchot, al Tikra Charut el Acherut, she'en lecha ben Chorim el Amishosek b'Talmud Torah. La liberté n'existe que quand on étudie la Torah. Un homme n'est libre qu'à travers le limud de la Torah. Et ça, c'est une phrase difficile à comprendre, parce qu'a priori, on peut dire un homme est libre quand il est dehors. Tu n'es pas au Beit Hamidash, tu es libre, tu as envie d'aller faire telle bêtise ou telle bêtise, c'est toi qui choisis. Tu as envie d'aller, ouais, on ne va pas dire où ils vont aller, n'importe où, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Alors que dans le limud de la Torah, tu es tout à fait coincé, limité, même comment je dois mettre mes chaussures, on te dit d'abord la chaussure droite, on a pas de liberté, où est la liberté? Allez, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Il faut dire que la liberté, le programme est, prenez un machal que vous comprendrez mieux. Qu'est-ce que c'est un bon footballeur? Vous connaissez un bon monsieur Messi, je ne sais pas comment il s'appelle, toutes sortes de gens très très célèbres qui sont bons. Pourquoi ils sont bons? Pas parce qu'ils font n'importe quoi sur le terrain. Premièrement, il faut respecter les halakhot. S'il fait un coup franc ou s'il touche avec la main aussi, c'est pas ça qu'on parle. On parle d'un monsieur qui respecte toutes les halakhot, les de Shouranahour du football, oui, il respecte ça de façon très précise. S'il est ben chorim, je suis libre, moi je veux le bâton, je fais ce que je veux. Tu as envie de taper avec la main, non, ça c'est pas un footballeur, d'accord? Un footballeur, c'est quelqu'un, bien la même chose. Vous voulez dire un grand chef d'orchestre, c'est quoi? On lui donne une partition, monsieur Beethoven, monsieur Mozart, fais-moi ça avec quelque chose. Fais-moi avec ça. Il dit, moi ça m'intéresse pas, je vais autrement. Mais c'est pas ça qu'on veut. J'ai exactement chaque ligne, chaque note est marquée. Et alors, où est ta liberté? Un grand chef d'orchestre arrive à faire résonner ce Beethoven de façon extraordinaire à l'intérieur du cadre de ce qui est là. Un bon footballeur, à l'intérieur du cadre des halakhot, il arrive à exprimer sa neshama, sa capacité, sa neshama, son art, sa chorma. Et l'avdi, la même chose dans la Torah. Quand tu es dans la Torah, c'est là que tu exprimes ta liberté.
C'est là que tu exprimes ta grandeur, ta puissance, ton individualité. Un Pnei Yoshua, ce n'est pas un Ktsot. Et un Pérouche de Arama, ce n'est pas un Pérouche de Deuyonas. Chacun, il a son Pérouche dans la Torah. Chacun, il a son individu, sub ben chorim. Quand je suis dans la rue, je suis mon Yessara, je ne suis pas moi-même. Je suis moi-même quand je suis dans le cadre, voilà, dans ma Sugya. Et là, je réfléchis les choses. Chacun, il est individuel. Chacun a sa façon de ressentir les choses. Et là, tu les ressens, et là, j'exprime. Là, je ne suis pas encore un grand chef d'orchestre, je suis un petit, mais au moins, j'exprime, je suis ce que je suis. Et plus on grandit, on dit à cinq personnes, vous voyez ici, faites-moi un dessin, une tomate, une pomme et un pot de confiture, allez-y. Voilà exactement ce qu'il faut faire, voilà la taille de la feuille, et chacun le fera autrement. Ça, c'est le Ben Chorim. C'est là que tu exprimes tes capacités, ta liberté. Ça, c'est ce qu'on nous demande dans la Torah. Tu veux être libre, c'est dans la Torah, tu expliques. En dehors de la Torah, tu es évêque de ton Yetzera. Tu choisis ça, de quoi que tu choisis, c'est ton Yetzera qui choisit, c'est pas toi. Tu es capable de dépasser ton Yetzera, dis ça, mets-moi ça de côté. Je veux pas savoir, ce qui m'intéresse, c'est de m'exprimer, de me construire, ça c'est dans la Torah. En Rabben Chorim, El Ami Sheosek, Batorah, que le Shmoun nous a offert une très grande liberté, une très grande puissance, une très grande indépendance, on peut atteindre là en haut. Les plus grandes choses, il y a là en haut, si vous savez, je n'étais pas, mais je vous raconte ce qu'il y a à la porte du Gan Eden, c'est marqué quoi? Tu ne te rappelles plus? Ashrei mi sheba le kan de Talmudo beyado. Baruch haba, quand tu arrives avec tout le chasse, qu'est-ce qu'il y a quand tu as tout le chasse? Tu peux ouvrir un shiur. Il y a des shiurim là-bas. Il y a des shiurim de Rashi et de Rabbeinu Tam. Des shiurim de Rashbo et du Ktsot, de tout le monde. Et tu vois, si tu es bon, tu pourras même toi te faire un shiur là-haut. Et ça, c'est combien de temps ça dure le shiur là-haut? Pour l'éternité. Combien de temps c'est l'éternité? C'est long, hein? Alors, à savoir, ça, c'est ce que Hashem nous a donné. Tu veux exister à travers la Torah.